à deux enfants, la belle Denis pratiquait la peinture et le dessin sur différents supports. Papier, bois, par terre, sur sable et mur. Le dessin était devenu un mode de vie pour lui, un monde dans lequel il s'exprimait librement et sans limite. Cela faisait plus de 14 ans qu'il avait commencé sa carrière professionnelle, une période durant laquelle il avait appris de nouvelles techniques artistiques. Le graffiti, le trompe-œil, dessin à l'envers, dessin sur l'eau, sur verre, tissu et carrosserie. Durant toutes ces dernières années d'expérience, il avait acquis de solides connaissances dans la conception et la réalisation de toutes sortes de peintures et dessins. Cela lui avait donné le sens du détail et la précision du geste, des pratiques qui étaient devenues des automatismes dans son travail et dans sa vie quotidienne. Un artiste peintre à fond. Par ailleurs, il faisait aussi des dessins de voitures ou encore des croquis de conception de bâtiments, des styles de vêtements, mais ses dessins restent inexploités. Le dessin et l'art pictural lui offraient un champ de découverte de savoir immense. Rabbi El-Adouni fut l'aîné d'une fratrie de 8 personnes. C'est l'enfant d'un père musicien et d'une mère amatrice de théâtre. Son environnement familial lui avait permis de mettre le premier pas sur son chemin d'artiste. Sa passion lui a ouvert les portes du monde entier. Las Palmas, France, Espagne, Italie, lors des différents événements auxquels il a été invité et où il a pu présenter ses travaux et partager son art. D'ailleurs, c'est à cause de sa nature de nomade qu'il n'avait pas eu l'occasion de suivre les différents cours de langue dans lesquels il était inscrit. Et le dessin restait son meilleur moyen de communication. Le 12 février 2008 restera gravé dans la mémoire des jeunes graffeurs marocains. Il s'agit de la première exposition nationale de l'art du graffiti au Maroc. Invité par l'ambassadeur de la République de Croatie, cet événement a été une opportunité pour Rabbi El-Adouni d'exposer son talent dans l'espace culturel de Croatie. La soirée d'ouverture a connu la présence d'invités de grand calibre, hommes d'affaires, artistes plasticiens de renommée, ambassadeurs de plusieurs pays. Tous ont apprécié les travaux exposés. La période de réalisation de ces derniers s'est étalée sur 3 mois et a donné naissance à 19 toiles contenant des dessins homo griffonnés en français, anglais et même en arabe. Pour les jeunes graffeurs, l'exposition a été réussie. Elle aura été d'une grande utilité. Mais même s'ils se sont orientés cette fois-ci à une forme légale pour montrer leur art, ils ne se sont jamais arrêtés de laisser leurs traces sur les murs de leur ville natale. Dans la vie de Rabbi, Las Palmas était parmi les expériences inoubliables dans sa carrière professionnelle. Casa Africa accueillit dans ses salles du 22 mars au 7 septembre 2012 une exposition qui a rassemblé le travail de 5 artistes, liés sous des formes différentes à l'art urbain. Une bonne raison de réfléchir à la relation entre Europe et Afrique, ainsi que sur celle qui existe entre cette forme artistique et la protection de l'environnement. Parmi les 5 artistes, 3 venaient d'Afrique, y compris Rabbi El-Adouni. Ce continent riche de cultures, de races et de langues, des éléments que Casa Africa souhaitait rapprocher chaque fois un peu plus de l'Espagne et de l'Europe, pour que chacun puisse les découvrir. Pour Rabbi, cela avait été une expérience qui l'avait fait fondre un peu plus dans le monde de l'art universel. Et cela lui avait montré comment l'art, et surtout la peinture, pouvait faire dissoudre tellement de différences en un coup de pinceau et faire rapprocher des continents sans bouger d'un centimètre. Il avait réalisé une magnifique calligraphie unique en son genre au monde. Il s'agit de mots en espagnol écrits en lettrage arabe, en plus de 2 grandes peintures murales représentant le continent africain. Les responsables de l'événement étaient éblouis par le talent de cet artiste. Son parcours professionnel au Maroc est une simple suite de chefs-d'œuvre uniques. Que ce soit sur les murs de grands restaurants, sociétés, écoles, grands établissements ou sur des tableaux. Partout au Maroc, il y a toujours une trace de ce grand artiste qui a pu mettre des couleurs à notre vie à tous. Pas seulement sur nos murs, mais aussi sur nous-mêmes. Son sourire, sa passion et sa joie de vivre se sont imprégnés sur toutes les personnes qui l'ont entouré et qui l'ont accompagné durant son court et joyeux passage dans nos vies. On peut vivre 100 ans, mais vivre comme le commun de l'humanité, dans la routine, et disparaître un jour sans laisser de traces, comme si on n'a jamais existé.
Mais il y a des personnes comme la Béa qui sont très rares, qui viennent à ce monde portant la lumière en eux, cette lumière que seuls les choisis ont l'honneur de porter, afin d'illuminer la vie de tous ceux qui les entourent, afin de donner un sens à cette vie éphémère à laquelle on tient si fort, afin de le montrer la vraie bonté de celui qui a créé tout cet univers. Rabel Adouni a bel et bien été un homme de lumière, un homme vivant, un homme croyant, un homme de bien, un homme qui aimait les enfants, car pour lui, il n'y avait rien de plus pur au monde qu'un sourire d'enfant. Aujourd'hui, je me considère comme une personne honorée, honorée d'avoir connu Rabel, honorée d'avoir été à ses côtés, honorée d'avoir été imprégnée par sa bonté, honorée de l'avoir accompagnée jusqu'à la fin. Tu vivras toujours dans nos cœurs. Paix à ton âme et repose en paix.